Tupe njoo wale biko na barudisha, biko na barudisha. Njoo pale. Unaweza kujie. Ah. Hapa tuko Chabanda, Chabanda Msingiri. Haitaishaka hapa beni mumaombi. Les ZDF ne pourront pas sortir de la forêt rien que par la prière. Inabidi kukue vijana wanasimama na wanasema seyase. Il faut qu'il y ait des jeunes qui vont se lever et prendre courage. Restauration haitakuwaka tu, tunasema tu banaru wameisha juu tuliomba tike. La restauration ne viendra pas rien que par la prière. Inabidi vijana wasimame na wapambane nao. Il faut que les hommes se lèvent et se battent contre ses ennemis. Musa alikuwa muombaji. Moïse était intercesseur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est réaction. Cette tranche de Contact Pro Live que nous donnons souvent à la fin de la semaine. Et nous discutons, nous donnons notre point de vue sur l'actualité qui a prédominé pendant la semaine. Aujourd'hui, nous recommençons encore une fois de plus avec cette tranche qui nous avions pensé que ça vous a vraiment beaucoup manqué parce que c'est dans cette tranche où nous donnons notre point de vue sur une actualité qui a difficile à disparaître. Et cette actualité dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'insécurité et le déplacement massif de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons un peu nous réunir tout autour de ce sujet-là. Nous allons parler un peu des leaders de l'est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que Nous pensons que les leaders de l'Est sont en train de nous délaisser. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà un peu, mes chers amis, vous aviez remarqué l'accoutrement que j'ai avec moi aujourd'hui. Donc, il fait à peu près moins 2 degrés ici à Johannesburg. Il fait très très froid. C'est pour cela que nous nous protégeons pour le froid, parce que même dans nos maisons ici, nous sommes dans le froid, en tout cas, le climat ici nous terrorise de toutes les façons, c'est ça l'hiver austral. Alors, merci beaucoup d'abord pour ceux qui me suivent régulièrement, merci pour les amis de Calémie, je ne vous ai pas oublié, il y a des messages, beaucoup de messages que je reçois de Calémie, je ne sais pas pourquoi, parce que Calémie se distingue en tout cas pour l'instant, où les gens me suivent et m'écrivent et m'appellent souvent. Et lorsque je ne réponds pas à leurs questions, souvent ils me laissent ça sur le vidéo, donc dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Mais je me fais ce plaisir aussi de répondre personnellement à toutes les questions qui me sont posées. Alors, pourquoi j'ai fait la réaction d'aujourd'hui, dimanche, qui est, nous sommes un dimanche 16 juin, qui est une,
journée fériée en principe ici, le 16 juin, qui nous rappelle l'éruption, donc les événements de Soweto. Donc demain, on va prendre ça lundi, ça sera une journée fériée ici en Afrique du Sud. Pourquoi je fais ça aujourd'hui, réaction? Parce qu'effectivement, il y a cette actualité où il y a un déplacement massif à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a vraiment de la cacophonie. Ça, il ne faut pas que nous puissions l'oublier. Tout a toujours été nakama na ninjo mwenye qu'on a contrôlé est de la République démocratique du Congo. Nanjo pale tuko tunasema inafaa tunaseme ibitu ju binisha pitisha. On ne sait finalement plus qui est le maître? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont les Wazalendo? Est-ce que c'est... Parce que on a... la population s'est pratiquement prise en charge. Mais la prise en charge de cette population, c'est ça qui me fait peur. Parce que ce qui devrait accalmer, ce qui devrait amener la calmie, se cache derrière Tshisekedi à Kinshasa. Batu wenye bangi tusemeaka, batu wenye bangi pashwa kukia kusimama seme bandugu, muangalie situation iko hivi na hivi, habafanye kitu, batu wana bazate, batu oba bandeko telemela batu, oba depite, oba kendeko sala kampanya ya Felix Tshisekedi na nani na este. Ce sont te qui devraient descendre sur terrain. Vous allez remarquer, la tension n'est plus maintenant aux M23 vers Rutshuru là-bas. À Kanyabayonga. La tension maintenant est dans la région de Beni. La région de Beni, c'est-à-dire qui est à cheval entre l'Ituri et le Nord Kivu. Bah, massacre Oezako Sale Makuna, c'est-à-dire que le phare d'essai n'est pas là. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons expliquer que la population peut commencer à chasser même la MONUSCO? Et c'est là où je vais intervenir encore une fois de plus que la population à l'est de la République démocratique du Congo est en train de se mettre le bâton dans les roues. Nous tapons à côté, il faut le dire. Bandugu est. Moi, je ne pense pas que c'est le moment de vous attaquer à la MONUSCO. Ce n'est pas la MONUSCO qui est notre ennemi. Notre ennemi est connu, c'est Kinshasa. Bali bebi ko banabakia Kinshasa kule banabakia banenda angalia ma match. Pendant qu'on est en train de nous tuer, ce sont là nos ennemis. Baonjo balikuwa biko censé kukia kutuorganiser. Comment est-ce que nous pouvons nous défendre ou nous défendre? Parce que ce sont eux qui bénéficient de tout ce qui est comme minerai, c'est tout ce qui est comme argent de l'est de la République démocratique du Congo. Haiko bato tu as est. Ce ne sont pas eux qui en bénéficient. Benye biko na bénéficie njo biko Kinshasa. Benyebiko wana pokea ma 21,000 dollars, ba mnini. Ils sont bien à Kinshasa, biko wanenda abo kuangalia ma match. Et pendant ici, angalia muangalia batu gisi biko wana kimbia. C'est pas possible, mes chers frères. C'est pas possible. Situation à l'est de la République démocratique du Congo, elle est pratiquement chaotique. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Hier, samedi et vendredi, donc c'est une période où les mouvements citoyens ont décrété des marches. Tout ça, on ne sait pas. Avenir à Butembe Kowapi, avenir à Beni Kowapi. Il est ma marche, finalement, il t'a payé nini. Si tu parles de quoi, je ne sais pas. Bandugu yangu. Tunaweza kudécréter ba marche leo tunasema tunafaa ma ville morte. Ça va, quel est le prix de ce ville morte? Munasema batu basitumike, batu basifaire mouvement quoi que ce soit. Moi je pense que nous devrions réfléchir autrement. Comment est-ce que nous pouvons terminer cette histoire ici? Tantôt ce sont les Wazalendo qui sont en train de nous tuer, tantôt c'est parce que nous ne nous comprenons pas. Nanjo parle tout tunasema ba kubwa benye bali paswa kutu encadrer. Na kusema, voici comment est-ce que nous allons nous organiser pour que tout malise imambo aba ADF. Pendant ce temps-là, nous avons encore quelque chose qui nous attend. Kanyabayonga qui tombe kule manake, beni butembo beni kule kote, M23 takua kukonkerir kule. Tuko wapi? C'est ça qu'il faut qu'on se pose la question. Tuko tunafanya nini bandugu yangu? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions pas
tomber dans cette histoire ici, yaba tubiko bana tuwa, et puis nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Njo kwenye mina simamia pale o mini ilipenda ni tonge na nye. Paske situation, haitaisha na FARDC. FARDC ko okipe ya kuzuia kwanja FARDC, nani M23 sishuke huku chini. Entre temps, FARDC ngambo ya Ituri balishaka perdre. Vous allez voir que le gouverneur militaire coopère maintenant avec les Codeco et tout ça. Maintenant, on ne sait pas qui est ADF, qui tue de l'autre côté. Bon, même si Tukuko a un certain ralentissement, mais c'est dans la province de, disons, de la région de Beni maintenant où les ADF opèrent. Est-ce que cela veut dire que Luboya kule ngambo Ituri alishaba maliza alishaba sukuma ngambo kwetu huku? Sasa si epeke tunajiorganize na mino gani? Paske hautasikia sema taa kuko batu wenye viko bana organize sasa defense yetu. Et là, je voulais parler un peu quelque chose sur ce que nous appelons les wazalendo. Comment est-ce que nous pouvons, on peut tuer les gens pendant que kwenye tunasema se bazalendo biko hapa? Bateza huwa batu na mna gani? Bazalendo bana protéger nini? Bana protéger Bulongo, apana aba protéger population. Ça, ce sont les questions que nous devons nous poser. Na njo pale kwenye niko nasema, il faut que nous puissions réfléchir vraiment bien pour que tuyue na mna gani, tutajatake kui mambo wa mawaji enye kona pita kwetu. Na organisation yetu, batu wa mingi biko wanauliza, tufanye basi nini? Parce que tulishenda kuwa Kuba babu, tout nous sommes partis chez nos ancêtres pour réclamer. Oh non, il faut mukunye boui, il faut mukunye mai, il faut mukunye mandrakwa. Est-ce que c'est ça la solution, Bandugiangu, au XXe siècle? Je ne suis pas contre les mystiques ou bien les mystiques nande. Je ne suis pas contre ça. Mais qui tu es ni kono ya kusema leo? Iko kusema comment est-ce que ba politiciens betu benye balikaka kutufaire voter Tshisekedi bana bakilia Kinshasa pendant que nous on est en train de nous tuer ici. Il y a un député, je crois c'est Furuguta de Goma, qui avait demandé à ce que ba député murudie kwanja. Muke tu sotonge hapa et je pense ifi kamera na ba libérer une session ya Mars na Isha, il est grand temps c'est que vous puissiez rentrer tous à Butembo. Mufike kule. Na tunalomba batu yote baba. Benye biko ba patriote kabisa mule mu parlement. Benye balikuwa vote. Kurudia pour l'instant. Kwenda kuangalia. Comment est-ce que nous pouvons terminer cette histoire ici? Tuteze imaliza na muna gani? Force à faire de se inafikia wapi? Est-ce que nous pouvons faire une petite évaluation? Ainsi nous pouvons maintenant officiellement nous organiser pour que tuye na muna gani tuteze imaliza imabitu. La solution ne viendra pas de Kinshasa. Comme va tout gagner biko déjà mon terrain. Moulishanja ku comprendre que non. Solution haiko Tshisekedi, il faut maintenant que tu yue, tu unganishe ma force yetu. Gisi batu yote biko banasema. Ba commerçant mukie tu ikale. Ba église yetu catholique monseigneur mukie tu ikale. Na bale batu yote benye banajita ba wazalendo mukie kwanza tu ikale. Et moi je proposerai à ce que tusumulie hivi tumukadre ya kiayanda yetu. Parce que c'est le peuple nande qui est visé ici. C'est le peuple nande, c'est notre terroir qui est visé bandugi yangu. Inafa tunaikala mule mukiayanda yetu, tunanja kuikala, tuanje sumulia kwanja. Ni nini? Ba politisye bebiko Kinshasa mukie kwanja tuikale bandugi yangu, tuongeye. Hii mambo tutaimaliza aye. C'est ça le problème. Tu t'aimalises et tu n'as fiqué à wapi. Nani njo mwenye neza kutusaidia. Tu neza jisaidia na muna gani. Tusikuwe tu tunaikala pale. Tuko tunenda zunguruka kwa Tshisekedi. Tunanja kumukumi sapa. Tunanja kumpikono aseme no tulikuya. Nilisikia ile marapore enye batu walikuwa banasema benye walikuwa Kinshasa. Mi nilisikia huruma sana. Bandugi yangu mi nilisikia huruma sana kusikia batu biko banasema bitu ya vile. Muna kia tena kupana ase rapport ku population ya mission yenye batu walienda Kinshasa. Kinshasa hakuta tokea kitu. Mina waza ile grand temps pour l'instant. Ya kuyua faire de se tu iko waye. Comment est-ce que nous allons défendre notre terre? Ile njo solution yenye tunapashwa anja kuzungumuzi yako. Benye balikamataka mabunduki mukie kwanja tuikale pamoya.
Bale beba na jita bazalendo tuikale kwanja pamoya. Tuangalie strategi gani tuneza kadrie mungini yetu. Na namuna gani ya kwanja kufanya sekirite yetu. Njo solution kwenye na tuneza anja pale. Me tukisema seme oh no tunangoya FARDC. Paske ya membe batu miku bana subsoneke no. Ni bale bale ba FARDC bebe miku bana fanya mabitu. Comment est-ce que tu n'es à quoi tu, 200, plus de 200 personnes, bah, wow et tout. Dans moins de 2 jours. Bah, tu bah, bah, wow à kiolé là. Na hakuna ta suite Kinshasa, bah, c'est mais qui tout, il n'y a rien qui bouge là-bas. Coule, coule, c'est normal. Normal, c'est-à-dire quoi, bah, tu biko bah, na cheza, bah, tu bah, nenda kuma fete, bah, tu bah, na fanya, bien, bah, na ona. Bah, na kula franga, bah, na fanya hivi. Hakuna kitu kekiko kina bouge Kinshasa pour l'instant. Ya kusema seme kuko situation d'urgence ku est la République démocratique du Congo. Même ata Goma aussi kwa ule gouverneur militaire ule Chirimwami, on ne sent pas que urgence moya iko. Je ne sais pas, peut-être que batakia kuba zikia bale batu et je, on m'apprend déjà qu'on a commencé même à enterrer ces morts là et après ça. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il y aura après ce massacre ici? Est-ce que ce n'est pas un message? Ya kusema seme banande mujiter parce que tuko tuneza kwa na baua tu gisi tunapenda. Est-ce qu'il y a un message à ville? Alors, mie hapa, bandugu yangu, kama mina kuya kurezo, mina kuyaka toujours na semaga, mina kuyaka toujours na proposer solution. Parce que tuneza kuperore tu hivi, oh balifanya hivi. Nous avions dénoncé depuis longtemps une dénonciation haiko méthode ya kumaliza mauaji kwetu. Ata tunasema seba nyarwanda njoba natuwaka, aba njoba natuwaka, aba njoba nafanyaka hivi. Tant que nous n'allons pas nous prendre en charge, ça ne terminera pas. Ne nafa tunafanya nguvu siye peke tunayo adui wetu iko wapi. Njoba na ima service etatike zenye ziko etabli kwetu. Azitufalie kukitu. Hazitufalie kukitu. Hata tunasema seme leo tufukuze MONUSCO. Me maintenant, après, MONUSCO kisha enda, kisha, nini njo tutafanya? Eske MONUSCO, kama gisi batu wanasemaka MONUSCO njo ina favoriza kabale ile mauaji. Ok, tuliona batu wanafukuza MONUSCO. Muliona ima images nilibatilia hapa kuya amprelide. Batu biko wanakimbia, wanasukuma MONUSCO, batu biko mbalabala, tusa. Ça ne changera pas de cette façon-là. Il faut tout l'anja réfléchir ku kitu gani enye ta marché. Na kitu gani enye ta marché, ni kuikala pamoya, ni kuyua banani njoba na défendre. Et pour cela, tunalomba, pour l'instant, concours ya batu yote, ba commerçant bebiko na franga, ile franga ita bafalia kitu, tunonaka kuma inchi ingine kama kuko probleme ya hivi ba commerçant njoba na leta franga. Benye biko na quelque chose ya kufanya, me ça doit être organisé. Bandugu yangu, FARDC haiko organisé. FARDC haiezi kutuokoa. Bengine bananja kusema seme basi ya inventure kuye mbio mbio. Muko munasikia vitu benye biko vinakuwa. Ase basi inventure kuye basi kuye. Est-ce que inventure kikuya njo solution tapatikana kwetu? Ça, c'est la question. Mais les réponses viendront d'où? Réponse à ma ouadji yote bandugu yangu. Iko siye batotu ya nor kivu tuikale. Na batu ngani baneza kutuikalisha. Ni bale ba depite me miko muma vacances parlementaires pour l'instant. Tunaita bale bote ba ministre ba nani. Bote benye balifanyaka kampanye kwetu. Tukue kwanja tuongeye. Tuikale tuongeye tutuatue. Adui iko wapi? Iko natokea wapi? Adui ni nani? Eske ni siye peke njo tuko tunajiua? Eske kuko mwengine elema exterior ki est en train de nous tuer? Et tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que situation iko vraiment alarmante. Na hatuko sur ke itaisha. Hatuko sur. Même ima bienye tuko tunafanya ma actions et tuko tunafanya même ma ville morte. Ça ne changera absolument rien. Kama hatuyayua kwa enemiko natokea, kama hatuyatia na siye siyasa ya kusema, tuikale bandugu yangu, tuikale. Banani njo benye tuneza ikalisha, qu'est-ce que nous pouvons faire? Niliona kulikuwa mitinge, banasema FARDC lisungumlia na population.
Boutasumulia na population na mna gane, c'est vous. Est-ce que c'est la population qui est en train de se tuer? L'ennemi est là, nous devons le connaître. Na tukisha yon ennemi ko wapi na natokea wapi, njo kwenye tuneza sema, bon, ok, comme l'ennemi peut-être parmi nous, alors tunafaa musako wa kila nyumba. Anafanana nani? Nani njo tu? Parce que les soupçons sont là. Et même les gens connaissent ces gens, ce qui se passe à l'Est. Kuko batu wenye banajua. Na bale batu abezi toka tu hivi bananja sema sema, oh no, hivi hivi, no. Il faut que batu banajiproteje kwanja. Tunawea sema, bo, bandugu, siye bote tuko pamoya, enemi wetu, iko fulani na nekala fasi fulani. Alors, tufunge kwanja basi frontiere. Vous êtes capable de frontiere ya Kasindi. Bule bumanjianjia bote, comment est-ce que tunaweza funga kule na tunaangalia tu contrôler inje? Et ça, ça demande une façon de s'organiser. C'est ce que moi je suis en train de proposer ici. Bandugu, tukutanane, tuikale, tuseme, tunafanya namna gani? Ma force zetu ziko wapi? Tout ce que tu as conté, tu as bazalendo, bazalendo, ce sont des... Nous continuons à chanter pour rien. Nous devons d'abord nous regrouper. Regroupons-nous. Faisons un rassemblement de toutes nos forces. Étudions, faisons une étude. Nani njoy kona fanya ima waji. Haiko Paris, haiko Kinshasa njoy tayo aseme ADF ko fasi fulani. Ni siye bakaaji ya inchi. C'est nous les Congolais, les Nandes qui doivent savoir où vient les ADF et comment les tuer et comment l'aborder. Nous ne pouvons pas continuer à dire que non, Tshisekedi aliuza ma avion et à IRSS et tout ça. Est-ce que cette guerre-là peut se terminer par les avions? C'est sinon nous sommes en train de taper à côté. Nous sommes pratiquement en train de taper à côté. Si nous pensons que Tshisekedi va venir nous aider à l'est de la République, nous sommes en train de nous tromper. Nous, le peuple Nande, nous devons absolument. Bandugu, tukamate mangabo zetu njo saa hii. Mahatwezi tukamata en désordre. La première des choses, c'est un rassemblement de tous les Nande, de toutes les forces, que nous identifions les forces. Et nanjo tuneza kupartage ma tâche. Yakusema bon, hivi njo tuneza fanya. J'ai causé tantôt avec un grand frère quand je lui ai dit que non. Nous ne pouvons pas compter sur Kinshasa. Nous avions discuté pendant beaucoup de temps. Oh, faire de cette affaire nini. Faire de ce, faire de ce, faire de ce. Faire de cette affaire nini. Même la police à Butembo, vous regardez vous-même comment est-ce que c'est. Mais quand les Nandes peuvent se mettre d'accord, Tulionaka, vous aviez fait ces choses-là. Et vous mettre à faire des rassemblements, ce n'est pas aller dans les gris-gris ou bien Kianda, non. Nous pouvons aller à s'asseoir dans le Kianda lorsque nous nous sommes entendus, lorsque nous avons mis une stratégie en place, yakuyo kwenye mwadu hiko na comment tutamutakle. Mais kama hatuyajitia pamoja, misiwe kama vitaisha na muna gani? Njobye niko natafuta ni kuambie leo, dimanche leo. Hii actualité ça fait depuis kama ni semaine mzima. Batu biko banakimbia jusqu'à ce que Butembo unasema no tufanye grève, tufanye ville morte. Ile ville morte haita produire kitu. Ase tutoke mubalabala hivi, hapana. Hakuna kitu kenye kitafanyika kama hatuyaikala na kutia strategi ya kuyua si peke na mna gani tutashase ule ADF. Na iko nani ADF ni nani? Anatokea wapi na naikala wapi? Kama iko mupori, kama nenda mupori, kama si hatuwezi mfata mupori, ADF iko Kirimu. Hapana. Biku wanakuya kuua batu, mvi, munani, mumugini, mumugini. Banakuya tunabaonaka. Et nous pouvons savoir ça. Na benjiye tunapashwa kuikala. Kuikala na bale batu wa imanajita wa azalendo. Basi kwetu wa azalendo wa kujita patapa. Nous devons avoir une force Nande. Yenye tutatia en place ya kusema tunasikilizana. Koma tuneza takle ikitu. Bandugu yangu. Bengine kumainchi ingine balikuwa banaikala. Banasema apana. Ima wajirisha pita. Ba benye biko na franga mukuye, ba enseigna mukuye, munafanya hata quelque chose tout autour ya monseigneur. Monseigneur mutusaidie basi tuikutane fasi fulani tuangalie strategi. Nye muko munasema muko wazalendo, muko ngapi, muko na nini ya kuatake uadui mwiko na tuwa hivi? Et c'est comme ça que je pense que nous pouvons réussir cette histoire ici. Mais ya kusema kasema o tunenda kuma marche, tunafukuza MONUSCO, tunafanya hivi.
Non, Hakaita, ça ne produira absolument rien. Voilà un peu, mes chers amis, ma réaction d'aujourd'hui sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous aviez aimé, je pense que le sujet est d'actualité et je pense que ce sujet ici va continuer encore dans la deuxième semaine que nous commençons demain. Ou si vous me suivez déjà le lundi, ça commence aujourd'hui, cette actualité reste et ça mérite d'être avoir une attention particulière. Alors, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.